encore à fabriquer ses fûts de chêne à l'ancienne. Et dans le chai du fondateur reposent les eaux de vie les plus précieuses de la maison, certaines datant de 1800. L'art de la calligraphie sur barrique à la craie est un geste transmis au fil des siècles. C'est pour moi où j'aurais descendu le hache. Pour faire ce genre de travail, il faut être passionné. C'est avant tout une discipline plus qu'un travail. Mais le trésor est aussi à l'intérieur. Et c'est le travail de Samuel Renaud qui, chaque jour, vient prélever des échantillons de ce précieux nectar. Des eaux de vie de qualité très rare. Très rare. C'est un geste délicat. Faut pas ne pas abîmer l'eau de vie, prendre son temps. Des échantillons soumis au comité des sages, garants de ce patrimoine. Ce jour-là, pas moins de 50 cognacs seront testés par le maître assembleur Yann Filloux. Il faut compter une bonne dizaine d'années pour avoir le droit de s'exprimer autour de cette table. Avant, on ne fait qu'observer. Avoir du savoir-faire, c'est bien. On en a hérité des générations précédentes, en même temps que nous ont transmis des stocks formidables. Notre rôle, nous, c'est de transmettre le savoir-faire pour que les plus jeunes, eh bien, un jour, ils soient à notre niveau, sinon meilleur. Le métier s'apprend certes dans des écoles spécialisées, mais rien ne remplace les heures passées à observer les maîtres. Voilà.